Yo, salut tout le monde, comment ça va? Pour ma part, ça va bien. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo très intéressante. J'allais vous parler de Gorod Krovi et surtout du Regen 3. Donc, il était très attendu et il plaît, je pense, à peu près tout le monde. Mais j'avais envie de lancer un débat ou un petit sujet de discussion par rapport à ce Regen 3 et par rapport à une question qui m'a été mais énormément posée. J'arrive même plus à compter le nombre de fois que cette question m'a été posée depuis les 36 dernières heures, ce qui veut dire depuis la sortie de Gorod Krovi, c'est-à-dire le Regen Mark 3. Est-ce qu'il sera jouable sur les autres cartes de Black Ops 3, tout simplement, donc Shadows jusqu'à Gorod Krovi? Et ma réponse, c'est non. Et j'ai envie d'en discuter justement aujourd'hui. Alors pourquoi non? Parce que, et c'est un autre des problèmes dont j'ai envie de discuter dans cette petite vidéo, c'est que le Regen Mark 3, c'est la seule Wonder Weapon, à ce que je sache, hein, la carte sortie depuis presque 2 jours, sur Gorod Krovi. Et vu que c'est une Wonder Weapon unique, je serais vraiment étonné qu'il la transfère aux autres maps. Ça ferait que Gorod Krovi serait beaucoup moins unique. Et j'ai un problème avec ça, c'est que le Regen 2 et Regen 1, qui sont des classiques, ont été transférés sur les anciennes cartes. Enfin, le Regen 1 est là depuis tout le temps, mais le Regen 2, quand il a apparu sur The Raid, ils ont pas tardé à nous le faire apparaître sur Mob of the Dead juste après, Origins, etc. Et ça, c'est un gros problème que je trouve avec Gorod Krovi, c'est que certes, on a Regen Mark 3, il est vraiment cool, mais on l'aura pas sur les anciennes cartes. Enfin, c'est très probable qu'on ne l'aura jamais sur les anciennes cartes, vu que c'est la Wonder Weapon unique à cette map. D'où vient mon autre problème, c'est que un Regen, généralement, c'est pas vraiment considéré comme une Wonder Weapon unique. C'est-à-dire, tout le monde peut l'avoir. Regen 1, Regen 2, tout le monde peut l'obtenir. Et c'est dur de dire que le Regen 3 est très très bon, d'accord, mais franchement, c'est le même niveau que le Regen 2 à peu près, peut-être légèrement supérieur, et l'énervement, ça se dit pas, mais le mécontentement que j'ai, c'est que le Regen 3, il y a une seule personne qui peut l'obtenir sur la carte Gorod Krovi. Et ça, c'est un grand problème, c'est une autre des questions qui a été posée. Et dès que j'ai l'obtenu à mon premier run, enfin la première fois que j'ai joué sur la carte, on était à 4, j'ai l'obtenu en premier, et on se demandait, yo, est-ce qu'on peut tous l'obtenir le Regen 3? Et ça, c'est un autre des problèmes que j'ai avec Gorod Krovi, c'est que le Regen 3, c'est unique, une seule personne peut l'obtenir. Alors j'ai une petite déception de ce côté là honnêtement, pour vous dire la vérité. Le Masamune, il y avait un moyen que tout le monde puisse l'obtenir, je sais plus c'était comment, on va dire que Zetsubou, je l'ai pas trop cramé, et puis tout le monde pouvait obtenir un arc dans Der Eisendrache, donc c'était vraiment plutôt cool. Et là j'ai quand même une déception par rapport à ce qu'ils font avec le Regen 3, même si j'aime beaucoup le Regen 3, c'était des questions qui m'avaient été vraiment posées, et j'ai décidé juste simplement d'y répondre et vite fait débattre sur ce sujet un petit peu avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude c'est le cas, vous pouvez me lâcher un petit pouce vert, votre avis dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour une vidéo. Peace.